Bonjour, aujourd'hui nous allons à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg où nous allons prendre un cargo russe, direction Le Havre, l'un des plus grands ports français. Mais alors pourquoi monter avec toute une équipe sur un cargo russe? Eh bien tout simplement parce que ce cargo transporte de l'uranium enrichi à destination de la France. Ben, j'ai eu cette info il y a quelques mois sur ce transport d'uranium enrichi. Et je me disais, mais pourquoi de l'uranium enrichi en France alors que la France est le principal producteur? Nous sommes en 1998, la France est le principal producteur d'uranium enrichi dans le monde. Alors pourquoi avoir un contrat avec des Russes? Eh bien, c'est simple, ce contrat remonte aux années de Gaulle. Oui, le général de Gaulle signa avec l'Union soviétique un traité d'importation d'uranium enrichi en France. Pourquoi de l'uranium enrichi en France? Parce que le général de Gaulle voulait continuer le programme d'armes nucléaires français. Et à ce moment-là, nous n'avions qu'un site qui produisait de l'uranium enrichi, Marcoule. Mais pourquoi avec les Russes? Pourquoi avec les Soviétiques? Eh bien, de Gaulle pensait là vraiment qu'il fallait faire un pas vers l'Union soviétique. Et les Soviétiques, de leur côté, pensaient faire une brèche dans le monde occidental. Alors là, je crois en vain. Alors, un armateur français a accepté de nous parler de cette société qui transporte cet uranium enrichi en France. Et vous allez le voir, motus et bouche cousue sur la cargaison, qu'il dit sensible. Oh, je ne voudrais pas dire que le volume de fret est nul, mais disons que nous assistons, de par aussi la spécificité des navires de Baltique, nous assistons à des transports de voitures. Et puis certains produits, si vous voulez, les produits sensibles aujourd'hui entre la France et la Russie sont non pas du domaine du confidentiel, mais nous devons d'avoir un certain droit de réserve à l'égard de notre armateur et des clients qui importent ou exportent ces produits. Les fûts d'uranium enrichi sont entreposés sur le quai sans surveillance particulière. Ils viennent des usines d'enrichissement de toute la Russie. Sur certains conteneurs, l'on peut remarquer les signes des grandes sociétés européennes du nucléaire, comme la COGEMA ou la British Nuclear Fuel. Le chargement commence sous la surveillance du responsable de la sécurité du navire. Soudain, les dockers mobilisés ne veulent pas continuer à charger les fûts. La vue de l'étiquette radioactive 3 semble les avoir dissuadés de continuer. Discussion avec un responsable du port qui leur montre même un compteur Geiger. Rien n'y fera, ces hommes refusent de toucher au conteneur. Ils ont décidé de faire la grève. Le chargement s'arrête. L'homme qui doit veiller à la sécurité du navire s'en va, accompagné de deux personnes du port. Les opérations reprendront plus tard dans la nuit, en contradiction même avec les consignes de sécurité russes en la matière. Alors oui, la mention
Radioactive 3 prévient les personnels que la cargaison transportée est dangereuse et qu'en cas de problème, il faut évacuer immédiatement le site. Le volume d'uranium enrichi à transporter est important. Fausse manipulation. Un conteneur se coince dans l'ouverture d'une soute. Vive inquiétude de la part des responsables. Enfin, le bateau est prêt à partir. Son nom, Mécanique et Krakow. Une longueur de 120 mètres. Comme beaucoup des navires soviétiques ayant été conçus vers la fin des années 1970, il se devait d'être ambivalent de par la confusion même qui régnait à l'époque entre la marine militaire et la marine marchande. En effet, ces bateaux se devaient de pouvoir transporter aussi bien du fret que de participer à un débarquement de troupes en eau peu profonde. D'où un bateau à tout faire, dont le type est encore très recherché par les affréteurs. Le Mécanique Egrakov, de l'aveu même des responsables de la CMB, est le navire le mieux entretenu de toute la flotte. Malgré son âge, il a encore de beaux jours devant lui. Son équipage est de 25 hommes, scindé en trois équipes se relayant toutes les 6 heures. Il vient de toutes les républiques de l'ancienne Union soviétique. Et nous voilà partis en mer Baltique. Des blocs de glace se font de plus en plus présents. Le commandant du navire vient de Sibérie. Le trajet, relativement court, 15 jours environ, permet à ces marins de se retrouver chez eux assez régulièrement. Avantage considérable pour ces hommes habitués il y a encore quelques années à des parcours de plusieurs mois d'affilée. Mon amour pour la mer a certainement vu le jour grâce au vieux bateau qui faisait la liaison entre mon village et Irkoutsk, sur lequel je faisais l'école buissonnière. Irkoutsk, cette très belle ville, qui se trouve sur la rivière Angara, à 60 km du lac Baïkal, qui est la plus grande réserve d'eau douce du monde. Je suis d'Ukraine. Auparavant, il y avait une République soviétique fédérée d'Ukraine. Et maintenant, c'est un État indépendant. Je viens d'une petite bourgade sur le Dniepr, peuplée de Cosaques. J'y ai passé mon enfance et mon adolescence. C'est très simple, voyez-vous. Il y a quelques années de cela, nous n'avions qu'une seule flotte unie, la flotte de la grande URSS, une et indivisible. Désormais, il y a deux États séparés, avec une frontière. Je suis donc ici en tant qu'émigré. Bon, voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de récit. La prochaine fois, je vous raconterai comment j'ai été bloqué pendant une très très longue période par les glaces. C'est un souvenir incroyable, complètement incroyable pour moi. Eh bien, à bientôt sur ma chaîne, à bientôt, et n'oubliez pas le pouce. Au revoir.